Monsieur le Président de la République, nous sommes honorés de vous recevoir ici à la République de Damie en cette matinée. En tant que futur ingénieur agronome, nous vous remercions surtout d'avoir fait de l'agriculture l'une de vos priorités, étant le secteur clé du développement de l'économie du pays. De ce fait, on ne saurait donc parler de résolution dans l'agriculture sans parler de cadre du secteur agricole, des techniciens, des outils et de tous les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Sur ce, nous vous demandons donc de vous pencher sur les différentes doléances des étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, telles que la restauration de la ferme de Damien pour une formation plus pratique. La ferme est d'une grande utilité pour nous à l'AFAMV. Les étudiants en production végétale souhaitent expérimenter leurs connaissances théoriques sur le Pest Integrated Management. Les étudiants en génie rural veulent contrôler le système d'irrigation existant déjà sur cette ferme. Les étudiants en ressources naturelles et environnement désirent concocter de bons composts et de bons engrais organiques pour une ferme bio. Les étudiants en sciences et technologies des aliments attendent les produits prêts à être transformés. Les étudiants en économie et développement rural espère faire les études de marché pour les surplus des produits qui ne seront pas utilisés à la cafétéria de la FAMV. Et enfin, les étudiants en tronc commun veulent assurer les itinéraires techniques de base. Permettez-moi de présenter mes plus vives félicitations au président de la République pour son accession récente à la magistrature suprême de l'État et pour avoir choisi la FAMV-UEH pour lancer son programme de visite de centres d'enseignement supérieur. Monsieur le Président, malgré le contexte socio-économique difficile dans lequel évolue le pays, la FAMV continue à œuvrer inlassablement de manière à remplir ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la communauté. Les intenses démarches entreprises par l'actuel décanat sur le leadership avisé de votre serviteur ont abouti, grâce à l'appui du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, à l'obtention de fonds de l'Agence française de développement et de la Banque interaméricaine de développement (BID) pour la réalisation des études techniques et architecturales en vue de la reconstruction des bâtiments. Ces études viennent de s'achever. De plus, sur un budget de 14 millions de dollars américains prévu pour l'exécution des travaux de reconstruction, la FAMV dispose actuellement de 10 millions de dollars à travers le programme de mitigation des risques et désastres naturels, PMDN2, financé par la BID et exécuté par le MARD. Monsieur le Président, la FAMV sollicite instamment votre appui pour l'octroi de ce cofinancement de 4 millions de dollars, indispensable à la matérialisation de ce rêve de reconstruction si cher à nous tous, professeurs, étudiants et membres du personnel. De nouveaux bâtiments, de nouvelles salles de classe, des laboratoires bien équipés permettront de recréer en mieux cette ambiance de travail, cette atmosphère trépidante d'activité
garante de l'excellence académique et scientifique et support essentiel de la qualité de nos services à la communauté. Au nom de la FAMV, nous présentons le soutien à notre cher président Gouvernement. J'ai démarré dans l'agriculture, je parle comme entrepreneur, j'ai démarré à 24 ans. Ça fait 24 ans depuis que je souffre. Jusqu'à présent, président de la République, les changements tardent à venir. Après, je dirais, 28 jours de pouvoir, je comprends bien. Pour ne pas dire que je comprends le problème de ce secteur. Les hommes et les femmes sont là. Les terres sont là. Et c'est la terre, le soleil, les rivières et les hommes qui peuvent enfin démarrer ce pays. C'est un développement endogène. Haïti n'est pas pauvre. Nous sommes pauvres à travers notre mentalité. Nous sommes pauvres à travers notre comportement. Nous sommes pauvres parce que nous sommes des résiliés. Aujourd'hui, président de la République, chef d'État, je veux que la jeunesse de mon pays ne soit plus dans cette catégorie. Je veux avoir des universitaires dignes de ce nom. En Haïti, nous avons près de 40 fermes, je dirais des fermes fermées, depuis plus de 30 ans. Mon usine dans le Nord-Ouest est voisine d'une ferme du ministère de l'Agriculture. Il y en a 40 comme ça à travers le pays. Elles sont toutes fermées, je veux dire. La construction de la faculté d'agronomie, qui est une priorité pour moi aussi. Je suis ravi d'apprendre que vous avez 10 millions de dollars parce que quand je laissais chez moi ce matin, je ne savais pas si vous avez des fonds disponibles pour le début de la construction. Je vous dis, dans le budget rectificatif de la République, je vais demander à mon staff et au gouvernement à venir de mettre les 4 millions de dollars en manquant cette année. Je vais demander aux doyens de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de venir au palais avec la firme de construction pour lui dire que moi-même, Jovenel Moïse, président de la République, je vais toujours plus vite. Je ne vais pas attendre 2 ans et demi, je vais vous donner 2 ans. En mars 2019, doyen, je serai de retour à la faculté d'agronomie pour l'inauguration des nouveaux bâtiments de cette faculté. Je pense que les appels d'offres pour la construction ont déjà eu lieu et la firme de construction est là. Bon, les appels d'offres sont en cours. Je suis disponible et disposé, doyen, de faire avancer les choses au niveau du CNMV, au niveau de la Cour supérieure des comptes, parce que nous avons eu une rencontre la semaine dernière avec eux. Je vois que ce sont des gens capables, compétents et disponibles à faire avancer les choses. Parce que mars 2019, et comme vous le savez, un président ne doit pas mentir, un président ne peut pas mentir. J'aime te dire dans la campagne, l'homme t'a parlé de programme pour corps étudiant.
Je te dis, ma portée innovation dans le programme Corée étudiant, que je vais changer pour le tournoi pour le programme. Je vais le formaliser pour que jamais une administration politique pas craser le programme. Je vais le formaliser pour l'entrer dans le budget national là pour que l'argent crédit étudiant. Là, je dis crédit pour nous comprendre, c'est pour l'argent nous gagner, nous allons le remettre pendant que nous étudions. Non. Son l'argent nous pour nous remettre dans une diplômée et son temps qui pas nuit nous. Mais qui vous permet que nous avons dans la poche nous tout le temps comme étudiants. Mandé, nous travaillons avec le gouverneur de la Banque Centrale là déjà. Mais mandé, cabinet privé. Le premier ministre qui va venir, que mandé sénateur, député, avec toute humilité, sagesse, mandé votre confiance pour la politique générale. Pour nous gagner un gouvernement tout de suite. Parce que sans gouvernement, budget rectificatif là, nous pas capable de gagner. Maintenant, budget rectificatif ça, loi sous crédit, je suppose, Parlement supposé, d'ici peut-être la fin du mois d'avril, ben nous vote ça. Parce que ça partit de loi ça, qui pour permettre que le bureau crédit en monte et le crédit étudiant vienne en réalité. Depuis qu'on a un papier baccalauréat, deuxième partie dans le monde, qu'on a nous avons un seul examen, on a un papier philosophe, il y a des critères prédéfinis qui peuvent rien la donne, qui permettent que ça dépend de monde qui fait. Puis, c'est le monde qui va le servir avant. Et le monde qui est dans l'université, il y a même des priorités qui pour permettre que l'étudiant ne pas dépendre de capacité financière et économique, mais la dépend de capacité intellectuelle.